Eh bien, bonjour à tous, c'est Antoine sur YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre petite aventure SimCity 5. Je suis tout seul, cette fois. Et eh bien, on se retrouve sur Courberive, notre seconde ville, où il y a des problèmes d'un incendie de matière dangereuse. Alors là, je sais pas si j'ai les bonnes écoles. Je sais plus ce qu'il faut comme école pour développer donc les camions spécialisés dans les matières dangereuses. Parce que là, je peux rien faire. Ouais, allez, on va voir, parce que je crois que l'école de science, pour mettre sur pause, l'école de science, ça marche. On va voir ça tout de suite. Non, vous voyez, c'est ingénieur. Bon, au moins on l'aura placé pour la suite, puisqu'on en aura besoin. On va faire ça, voilà. Ainsi que ça. C'est bien comme ça. Voilà. Et hop. Alors, vous voyez que j'ai fait tourner un tout petit peu la ville. Bon, pas vraiment pas très longtemps, même pas 10 minutes, je crois, quand on a terminé l'épisode de la dernière fois. Avec donc Théotim. Et là, vous voyez qu'on commence à avoir de la bonne densité, de vraiment la densité élevée. Ça fait plaisir à voir, vous voyez que les riches, ça évolue. Voilà. En niveau argent, on est bien. Niveau service, on est bien. Il y a électricité, ça va devenir un petit peu chaud. Ça produit combien, ça? Processus d'embauche, ok. On va laisser tourner ça comme ça, mais bon, là on est à 62% déjà de notre développement. Donc ça devrait aller assez vite. Alors, ah oui, Théotim a renommé sa ville. Alors, Annecy Train Center, ok. Petit jeu de mots. Et voilà, ça a pété comme c'était prévu. Je suis même plus surpris maintenant. C'est bizarre, on est habitué. Alors vous voyez qu'on commence à avoir vraiment pas mal de circulation. Même hors des heures de pointe, on a quand même beaucoup de circulation, notamment donc à notre endroit principal qu'on a fait au milieu là. J'avais envie de dire que c'était prévu. Heureusement que j'ai fait quand même un ou deux tunnels, parce que sinon la circulation là, je pense qu'on aurait déjà pu abandonner ce projet. Là, il y a une route que je n'ai pas améliorée, ça ne me plaît pas. Densité élevée, est-ce que le tunnel est amélioré? Tunnel rue de densité élevée? Non, il ne l'était pas. Est-ce que de l'autre côté, il l'est? Affirmatif. Eh bien, pour le moment, on s'en sort bien. Je suis assez content. J'aimerais bien continuer à faire des projets dans l'université avant de pouvoir m'attaquer à encore faire une autre ville. Mais bon, pour le moment, on va attendre vraiment que ça évolue quand même pas mal. Puisque je sais que j'ai eu certains commentaires me disant que vous aimiez bien regarder la densité des bâtiments évoluer, donc je vais faire en sorte de faire ça avec vous. Même si j'aime pas trop moi, parce que c'est des épisodes où au final je dis pas grand chose et je fais pas grand chose. Donc j'ai un peu peur de vous mettre du contenu, enfin peu de contenu. Mais si ça vous plaît, il n'y a pas de souci. On va enlever un incinérateur puisque ça ne nous sert à rien, il n'y a pas de poubelle. Et je pensais faire, comme on est dans une ville écolo, du recyclage. Une centrale de recyclage. C'est pas négociable. J'ai envie d'en faire une. Alors, ouf, encore. Ça, c'est la question. Je pense que je vais déplacer ma décharge par la suite. Je la mettrai plus ici. Puisque là, j'aurai la place de le faire, mon centre de recyclage, en fait. Alors, on va faire ça tout de suite. On va mettre sur pause. On va prendre la benne. Hop. On détruit. Et on va la reconstruire. Ici. Même. On va évoluer. Mettre un camion supplémentaire. Un incinérateur. Ça ira bien. Et là, on va mettre donc notre centre de recyclage, pardon. Hop, on va faire ça. Et on va produire, qu'est-ce qu'on va produire?
Il me semble que c'est l'alliage qui est plus cher quand même. Ouais, et ben on va produire de l'alliage. Ouh, on produit peut-être un petit peu de tout. Là, j'ai alliage, plastique. Et on va mettre un truc de métal. Ainsi que un autre truc d'alliage. Voilà. Et ensuite, on va mettre un max de camions de ramassage. Parce que sinon, bah, ça sert à rien tout ça. J'ai ma souris qui est peu sensible. Hop, voilà, peut-être un peu mieux là. Ouais. On va en rajouter un là. J'espère que ça suffira. On va mettre trois camions comme ça. Ouais, trois, ça ira bien. On verra par la suite si on a assez de matière recyclable et tout le tintouin comme d'hab. On va mettre un entrepôt commercial, bien entendu, et on va même mettre en vitesse rapide. Bon, les gens sont pas contents, hein, mais bon, c'est normal. Où est-ce qu'on va le mettre? Peut-être pas en face. C'est un peu débile. Vers une sortie de ville sans détruire trop de trucs. Non, ça ne va pas là. Ça va détruire des maisons de riches. J'ai pas envie. Bon, allez, là, à l'entrée de la ville. Ça ira bien. Alors, il me faut le panneau. Alors, c'est pas du minerai, c'est du métal. Donc, un truc d'alliage. Un truc donc de métal. Et de plastique. Ici. Voilà, là on est parfait. Et je pensais même l'alliage le déplacer ici plutôt. Enfin, plus à côté là. C'était de l'alliage. Voilà. Et même casser celui-là parce que il va pas nous servir à grand chose. Voilà. Et ça nous prend trop de place. On va aussi rajouter les camions, c'est ça que j'ai oublié. Allez, camion, camion. On va tous les mettre. Et on va tout bien sûr exporter. Exporter. Et exporter. Et ça va nous faire de l'argent, de l'oseille à fond. Si ça marche, normalement il n'y a pas de raison. Normalement il n'y a pas de raison que le contraire se produise. On va mettre les deux derniers camions quand même. Comme on a une ville qui est très centrée sur l'éducation, on peut vraiment se permettre ça et ça va nous être bénéfique par la suite. Ça va nous apporter vraiment beaucoup d'argent. Et c'est plutôt bien pour les coffres de la ville. Et là vous voyez qu'on a l'high-tech qui s'est bien installé. Le souci c'est que quand il y a un incendie ou quoi que ce soit, ça redevient en technologie faible, donc ça c'est un petit peu gênant. Mais c'est pour ça que je veux le camion de pompier. Vous voyez qu'on a déjà beaucoup de bouchons, notamment à l'heure de pointe c'est vraiment affreux. On va dire que ça circule encore. Ça va, ça reste assez fluide dans certains secteurs, mais vous voyez comme cette route-là, c'est vraiment assez critique. Mais bon, pour le moment, ça encombre pas le problème des services. Les services sont pas encombrés par ces petits. Encore des matières dangereuses. Oh là 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 là, ça se propage, c'est pénible. Enfin voilà. Puis bon, je suis désolé, mais on va mettre ça maintenant parce que école d'ingénieur. Ah, il n'y a pas de place là. Ah, c'est pénible ça. C'est pénible. On va refaire une route. C'est un peu moche comme je fais. Bon, je changerai ça plus tard. C'est vraiment pour... Enfin, ouais. Pour essayer d'aller vite. Hop, et on va mettre ça. Voilà, c'est ce que je voulais. Ainsi qu'il n'y a pas moyen qu'on mette un petit garage comme ça sans péter trop de trucs. Ça m'arrangerait. Voilà, là on est bien. Ça optimisera, enfin ça favorisera la prévention. Ouah, c'est méchant quand même. Voilà, non, pas eu le temps. Ah, pas eu le temps, c'est pas grave. Alors, comment qu'on va faire? Alors, je vais juste regarder si ça marche, au moins mon système de recyclage. Oui, parfait. Ça, c'est bien. Mais c'est vraiment un point positif.
On devrait bien s'en sortir avec 88%. Là, faudrait vraiment que ça aille plus vite parce que en électricité, on est en déficit. Et ouais, ça va pas ça. Est-ce que là, si je mets ça, ouais, on a encore déficit. Est-ce que si je mets ça, là, on n'est plus en déficit, mais on va bientôt l'être. Donc, il va vraiment falloir qu'on se dépêche. Et vraiment très très vite. Ah, on l'aura pas aujourd'hui, ça m'étonnerait. C'est pénible ça. On l'aura demain, c'est pas grave, on aura un moment sans électricité. Ah bon, on se débrouillera. J'ai encore une fois pas regardé à l'heure à laquelle j'avais commencé. Ah, ça m'énerve ça. On va faire avec, comme on a l'habitude. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir parce que je vois que cette série est bien accueillie. Et franchement, continuez à vous abonner et à mettre des j'aime et des commenter. Ça fait toujours aussi plaisir. J'avais arrêté de me répéter parce que là-dessus, je vous fais à chaque fois mon blabla à chaque épisode, mais ça me tient vraiment à cœur. Voilà. Alors, où est-ce que ça en est au niveau... Bon, vous voyez quand même, au niveau de la circulation, ça reste assez raisonnable. Ah, là, j'ai pas mis de transport. En même temps, vous allez me dire, c'est une banlieue de riche, mais... On va en mettre quand même parce qu'il y a 2-3 moyens dans les trous. Et là, j'en ai pas mis... Ouh, devant l'université, c'est dangereux, ça. Ouais, bah là, écoutez, c'est bon. Éducation... Ouais, bon, la plupart des gens vont à l'école, hein. Allez, ça, franchement, serait... Demain, c'est fini, normalement. Mais ce serait vraiment cool, parce que là, ça va être très vite un gros souci. Mec, on est déjà en déficit. Bon, un léger déficit, mais c'est déjà pas mal. J'aimerais bien savoir combien est-ce qu'on... Nécessaire 127 mégawatts, c'est quand même beaucoup. Bon, comme on sait tous maintenant que Théotime tourne la plupart du temps au nucléaire, je pense que par la suite, il nous fournira l'électricité nécessaire, mais je pense que c'est bien quand même d'avoir un petit truc autonome dans une ville. Voilà, comme ça, on laisse les petites villes favorisées. C'est pas mal. Enfin, c'est mieux comme ça plutôt. Que dire, que dire, que dire, que dire. Cette école, ça va. Au niveau des services, on est toujours bien. 2 morts par jour. Mince, c'est pas ça que je veux. Ouais, bah écoutez, ça m'a l'air d'aller pas mal. Ensuite, niveau des incendies, ouais, c'est bien. L'avantage quand même de ces villes éduquées, enfin où les Sims sont éduqués. C'est que on a vraiment. Les services sont vraiment peu nécessaires. Enfin, on n'a pas besoin de les développer beaucoup puisque bah, les gens sont plus éduqués et font plus attention tout simplement. Du coup, et ben, c'est plus simple pour bien développer la ville. Là. Je mets à des endroits parce que j'ai tout simplement oublié, hein. J'ai complètement zappé. Là, on va peut-être en rajouter un quand même. J'aimerais bien que tout le monde aille en cours pour faire un max de recyclage. Vous voyez que le niveau technologique augmente quand même, hein. C'est plutôt positif. Et vous voyez là, les usines ont explosé tout à l'heure, donc forcément, maintenant, ça redevient comme ça. Mais ça devrait augmenter quand l'université sera ouverte. On va améliorer l'hôtel de ville, tiens. Et je crois qu'on a tous les ministères. Ouais, on les a donc tous placés. Je crois que j'avais déjà dit la dernière fois. Lycée 800 sims, c'est parfait. On va peut-être rajouter quand même, parce que c'est plein. Un truc comme ça, enfin une classe supplémentaire. C'est vraiment du plutôt... C'est du au cas où, quoi. Module numérique disponible, je sais. Mais je vois pas trop quoi mettre. Il y aurait ça. J'ai pas d'aéroport encore. Tiens d'ailleurs, aéroport. On fera pas dans cette ville. Mais très peut-être que je propose à Théotime de faire ça. Tiens d'ailleurs, on va aller visiter sa ville à la fin. J'espère que je ferai pas un épisode trop long. Parce que c'est quand même assez long à uploader. Ah vous voyez là on est. Attends, pardon. C'est quoi là? Ah si c'est bon en fait. Non, c'était en processus d'embauche. Donc là, vous voyez, là, je pense que ça devrait être bon.
On va pouvoir clore cet épisode là-dessus. Et ensuite aller visiter bien sûr la ville d'Annecy. World Trade. Non, Annecy Trade Center, c'est ça. Et 8, 99. Et on va aussi, je pense, refaire un autre développement derrière. Voilà. C'est bon, c'est développé. Alors. Une centrale solaire, on verra. Je pense pas pour le moment. Ok. Ok, ouais. Eh ben écoutez, pour le moment, il n'y a rien qui m'intéresse. Je me concerterai un petit peu avec Théotime. Parce que bon, il est quand même dans la région. Il va me donner son avis. On va juste s'occuper de notre électricité. Hop, hop, hop. Et on va mettre nos fameux. Oula. J'ai quand même pas. Non, je croyais que le jeu avait planté. J'ai fait les grands yeux. Alors, on va faire ça. 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 Et là, c'est bon. Je pense qu'on produit combien là? Attendez. On va regarder quand même. Combien de watts cela génère? 120. Eh ben, vous voyez que c'est quand même. C'est autant qu'un. Ouais, non. Vous en placez 6 comme ça, c'est autant qu'un réacteur nucléaire de base. C'est quand même très rentable comme recherche. Très propre, sans risque. C'est fabuleusement bien. Alors, on va là-dessus se rendre sur la ville d'Annecy Trade Center. Car oui, bon, je sais pas si vous le savez, je sais pas qui est-ce qui nous regarde, mais Annecy est la préfecture du département où j'habite avec Théotime, la Haute-Savoie. Hop, alors vous voyez avec son nouveau système de circulation là, il nous a fait des petits trucs sympas. Je sais pas trop comment il s'y est pris. Ça, il y a beaucoup de routes, hein. Il y a beaucoup de routes. Mais je pense que par la suite, ça peut être très intéressant puisque on devrait pouvoir, enfin, il devrait pouvoir jouer un peu sur sa circulation. Et le développement de sa ville devrait se faire assez facilement. Il n'aura pas trop de problèmes de bouchons. Vous voyez que là, il a alterné les routes qui passent par son avenue et les routes qui passent dessus. Bon, il y a des bugs de texture, mais c'est comme d'habitude, c'est SimCity. Faut s'y habituer. Hop, leur route, au-dessus, au-dessus. Par contre, là, ce que je lui conseillerais, ce serait d'en refaire une là, parce que les personnes vont s'agglomérer ici pour pouvoir prendre cette avenue. Ouais. Ce serait ça qu'il faudrait faire en fait encore. Donc au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Et il a fait donc une avenue avec des routes parallèles. Enfin parallèles, ouais. Qui se suivent dans le même tracé, quoi. Vraiment, ouais, c'est à étudier. C'est à étudier. J'aime bien ces maisons là. Donc il faut savoir que c'est vraiment des villes de riches hein, qu'il fait, des résidents aisés. Donc ne vous étonnez pas s'il n'a pas beaucoup de pauvres. Voilà, et bien sur ce, on va se laisser. Tiens, je vais faire la fin de vidéo sur sa ville pour changer un petit peu. Donc j'espère que cet épisode vous plaît. Enfin vous a plu plutôt parce qu'il est fini. J'espère que vous continuez aussi à suivre. J'espère que tout simplement vous attendez le prochain avec impatience. Et je voulais juste aussi vous dire que d'ici la semaine prochaine, le week-end prochain, il n'y aura pas de vidéo parce que j'ai une semaine très prise et je m'en excuse. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis bye bye. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus tout le monde.